066 21 91 16 066 21 91 16 c'est le numéro par lequel vous pouvez nous joindre pour participer bien évidemment au gradin du sport, votre émission de débat et d'actualité sportive. On est là bien réunis avec Marley comme arbitre de la rencontre, voilà, qui lui aura bien sûr dans quelques petites secondes qui va débuter. Bien sûr, on aura également avec nous Perry Joe que vous connaissez très très bien, donc qui va nous accompagner également. Lui aussi souhaite parler des Panthères du Gabon. Oui, oui, on en parlera durant cette émission. Les Panthères du Gabon ne gagnent plus après le Sénégal, Thierry Mouyouma et ses poulains calent face au Congo. On va tenter de comprendre pourquoi et selon vos avis également. Et on veut avoir aussi vos avis sur la question. On parlera également de Daniel Michel Cousin qui a enfin parlé. Bah, il dit n'avoir pas été informé de son éviction de la liste du staff technique des Panthères du Gabon. Voilà le deuxième sujet que nous aurons à aborder aujourd'hui. Puis nous parlerons également d'un autre sujet. Cette fois-ci, c'est toujours pour les Panthères du Gabon. Mais on va parler bien sûr des talents, des tops et des flops durant les buts rencontres face au Congo et au Sénégal. Quels sont les joueurs que vous avez remarqués? Quels sont ceux qui ne devraient même plus être appelés? Bah, ce sera l'occasion pour vous aujourd'hui de pouvoir discuter de cela. N'oublions pas qu'on aura également la question du jour. La question du jour. Et oui, car à part l'Égypte, quels sont les autres pays qui ont aussi gagné 3 fois consécutives une coupe continentale? Je réitère, à part l'Égypte, quels sont les autres pays qui ont gagné 3 fois consécutives une coupe continentale? Voici bien sûr le sommaire de votre émission Les Gradins du Sport. Je ne serai pas seul, accompagné de Perry Joe. Perry Joe, bonjour. Bonjour John. Comment ça va? Ça va très bien. Voilà, on parlera de sport dans quelques petites secondes, seulement le temps de respirer et de revenir. N'oubliez pas, 066 21 91 16, c'est le numéro de votre émission tout à l'heure. Allez, je disais 066 21 91 16, 066 21 91 16, c'est le numéro pour lequel vous pouvez nous joindre pour participer au gradin du sport. Vous pouvez nous appeler par un appel normal, SMS traditionnel ou encore, bien sûr, par appel WhatsApp aussi, chers auditeurs. Je réitère le numéro 066 21 91 16, 066 21 91 16. Est-ce qu'on peut avoir déjà des premières réactions? Non, mais ils sont nombreux à réagir. Ils vont bien sûr réagir déjà. Non, malheureusement, il est parti. L'auditeur me fait signe, Marley. On va donner la parole à Perry Joe. Perry Joe, bonjour, rebonjour. Ah oui, rebonjour, John. Ouais, comment ça va? Oui, ça va super bien. Parce que depuis le matin, nous sommes là pour faire l'actualité. Voilà, donc tout est rentré dans l'ordre. Par rapport à la thématique de ce jour, voilà, donc les Panthères du Gabon qui ne gagnent plus. Déjà, on sait que Thierry Mouyouma, dans le cadre des compétitions officielles, ça fait, on va dire, 4 matchs à son actif.
deux matchs des éliminatoires de la, la... On va pardon, il est parti mal l'auditeur, il est parti. On avait déjà un tout premier auditeur. 066 21 91 16, appelez-nous. On attend vos différentes réactions. Oui, Péridio. Oui, je disais, nous étions déjà habitués à voir cette équipe-là gagner des matchs, compte tenu du fait que pendant déjà les deux matchs éliminatoires de la Coupe du Monde, contre le Kenya, on se souvient, et contre le Burundi, Ouais, mais concrètement, qu'est-ce qui n'a pas marché face au Sénégal? C'est là où nous, on veut comprendre, en fait, Péridio. Quand tu as suivi le match, toi, qu'est-ce qui n'a pas marché face au Sénégal? 3-0, c'est trop quand même. Non, 3-0, c'est trop, on le reconnaît. On sait déjà que cette formation que nous avons vue, d'ailleurs, nous tous, nous l'avons vue, était une formation totalement remaniée, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes dans cette équipe. Oui, on va prendre d'abord l'auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? John. Bonjour. Bonjour, Péridio. Bonjour. Juste pour dire que si les Panthères ont perdu face au Sénégal, moi, selon mon analyse, c'est juste parce qu'on peut dire, la vérité, on a dit que le Sénégal est supérieur par rapport à notre équipe. Mm-hmm. Et ne dites pas aussi que les Panthères ont perdu, peut-être que parce qu'Aubameyang n'était pas là, ou bien non, il ne faut plus parler de ça. Le Sénégal était supérieur. Mm-hmm. Donc, il dit que le Sénégal était supérieur. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bon, dire que le Sénégal était supérieur par rapport au match, oui. Et puis même, bon, on va dire continentalement parlant, hein, l'équipe du Sénégal, les Lions de la Teranga, est une forte équipe. On va prendre. On va prendre d'abord l'auditeur qui est en ligne. Allô, ils sont nombreux à vouloir réagir. Allô. Allô. Voilà. Il nous appelle par appel WhatsApp. Voilà, l'auditeur. Allô. Alors, une fois, deux fois. Allez. Oui, Péridio, on t'écoute. Oui, donc on disait, je disais, pour appuyer un peu ce que j'étais en train de dire dans mon analyse, nous avons été habitués, donc Thierry Mouilloman nous a habitués déjà à avoir des matchs, à gagner des matchs depuis un certain temps. Sauf que là, lorsque nous sommes retrouvés devant nos postes de télévision, nous avons vu une équipe remaniée. Ouais. Et ouais. D'accord, on prend d'abord l'auditeur. Allô? Merci, bonjour. Bonjour. Bonjour, moi, d'hiver. Le Sénégal, comme disait François Fatoussi, le Sénégal est supérieur. Ce que nous, on doit faire, c'est juste une autorité d'organiser un championnat. C'est une équipe qui est en pleine construction. Moi, au contraire, le jeu était bon. Mais il y a beaucoup encore à refaire. Pour moi, je ne dis pas que le coach est mauvais. Non, il est en train de faire son travail. On enlève le vieux, on met les jeunes. Et on joue avec tout le monde. Ceux qui acceptent le jeu pour la partie jouent. Ceux qui ne veulent pas, on les met de côté. Et on cherche les jeunes. Le seul souci qui nous dérange au Gabon, c'est juste le championnat qu'on veut qu'il revienne. C'est tout. Une fois que le championnat revient, on va sélectionner des joueurs. Il y en a au Gabon. Il y en a. C'est pas qu'il n'y a pas. Il y en a. Qui peuvent très bien jouer. Mais il faut les sélectionner. Il faut les trouver. Merci. Mais Péridio, quand même, ce qu'il dit, certes, c'est pertinent, mais comment on va rivaliser avec le Sénégal si on doit prendre les joueurs du championnat, alors que dans l'équipe du Sénégal, il y a des gars qui jouent FC Barcelone, quand même. Faut pas se mentir, non, hein, Péridio. Oui, non, on ne va pas se mentir. Il y a aussi des joueurs gabonais qui sont déjà en train de pénétrer déjà ce milieu-là. On a quand même quelques noms que l'on on sait. C'est vrai que beaucoup de personnes se posent la question, est-ce qu'il faut ramener Pierre-Emerick Aubameyang dans la sélection? Mais par contre, ce qu'on doit faire, c'est créer une nouvelle émergence de joueurs. Voilà, une nouvelle émergence de joueurs. Allô, est-ce que vous comprenez cela? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir. C'est Monsieur Patrick de Nzarion. Monsieur Patrick. Alors, donc je vais aller dans le sens que mes deux prédécesseurs. Est-ce que vous connaissez actuellement une équipe africaine qui est meilleure que le Sénégal? Il n'y en a pas. Le Sénégal a la meilleure équipe africaine. La CAN, c'est un flop, on le reconnaît. Ils se sont loupés, mais lorsqu'on voit l'effectif, dans les effectifs des différentes équipes africaines, on a le Sénégal et le Maroc. Nous avons affronté la meilleure équipe africaine.
Moi, je suis satisfait de notre match. Est-ce qu'on est conscient à un moment donné que le coach Mouyouma a mis une équipe test, il a testé des joueurs. C'est-à-dire, je veux un peu voir ce que ça donne de les faire jouer contre la meilleure équipe d'Afrique. En temps normal, on aurait pu enregistrer 6-7-0. Comme vous l'avez si bien dit, il y a des joueurs qui jouent au Barça dans cette équipe. Il y a un joueur, c'est le coéquipier de Cristiano Ronaldo. Monsieur Mouyouma teste des gamins, on va dire des gosses. Aucune expérience. Mais pourquoi tester des gosses face à une grosse équipe comme ça alors qu'on a un match assez important contre la Côte d'Ivoire? Fallait-il pas mettre les vrais joueurs, les titulaires indiscutables? Non, très bonne question. Nos vrais joueurs sont déjà aguerris parce que qui dit vrai joueur dit joueur d'expérience, dit joueur aguerri. Vous êtes d'accord. Mais ces joueurs aguerris là, ces joueurs expérimentés, ils ont quel âge? Ils n'ont plus longtemps dans la tanière. Donc, il faut déjà commencer à lancer ces jeunes-là qui doivent se frotter aux joueurs expérimentés lors des matchs amicaux. Mm-hmm. C'est pas une compétition. Donc, ces joueurs vont commencer à se frotter aux joueurs expérimentaux dans des matchs amicaux. Ça leur fait de l'expérience. Et ça leur fait un savoir sur le terrain. Et comme ça, lors des grandes compétitions, comme celles que nous envisageons pour l'entrée bientôt, la CAN, on va constater un remplacement progressif de ces vieux-là qui vont partir. Mais si le coach Mouyouma ne teste pas les jeunes joueurs lors des matchs amicaux, vous voulez qu'il les teste quand? Lorsque c'est un match à élimination directe, lorsque on va dire, bon, nous sommes peut-être à égalité avec la Côte d'Ivoire ou le Burundi, c'est là qu'il va tester les gamins. Non, moi je suis content, on a bien joué. Et encore, quand on analyse les buts, analysons les buts. Premier but, un CSC, but contre son camp. Deuxième but, c'est un but de loin. Donc, les deux premiers buts, la défense a fait son travail. On est d'accord, les deux premiers buts, ça n'a pas été une construction de jeu de la part du Sénégal. À chaque fois que le Sénégal essayait de construire, dès qu'ils arrivaient devant la défense, les efforts échouaient, ça mourait. Voilà pourquoi le deuxième but, ils ont pris leur chance, ils ont frappé de loin. Et là encore, c'est un jeune gardien. Ça fait du bien. Un point pour la défense et le troisième but. Mais c'est quand même Sadio Mané. Il joue quand même avec Cristiano Ronaldo. Moi, je suis plutôt satisfait pour le match test, parce que c'était un match test. Moi, je suis plutôt satisfait et je suis sûr qu'avec M. Mouyouma, la sélection nationale a de beaux jours devant elle. Voilà. C'est ce qu'il dit. Bon, lui parle de tester des joueurs, c'est-à-dire prendre les vieux, les mettre un peu à côté. Mais le problème, c'est qu'il y a un vieux qui était là, qui n'est même pas sorti. C'est Kolimanga. Il est resté là. Les deux matchs, il les joue. On le teste. À quel moment on va tester les autres joueurs, quand même? Perry Joe, hein, à un moment donné. Oui, voilà. L'analyse un peu de l'ensemble des auditeurs, hein, on va dire, tourne un peu par rapport à ce que nous sommes en train de dire depuis. C'est le moment de tester les joueurs. C'est important parce que il faut, avec le temps, avoir une stratégie de remplacement. Parce qu'il faudrait que l'on sache qui peut remplacer qui, à quel poste. Et ce n'est que ce genre de match-là que l'on peut identifier déjà des talents. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs que nous avons découverts et que nous avons appréciés aussi de par leurs prestations. Il y a des joueurs que je n'ai pas découverts. J'aurais aimé voir l'autre joueur. Je ne veux plus voir Ekwe les jouer. Voilà, il doit un peu s'asseoir. Le match test comme ça, les petits doivent jouer. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Je peux participer à l'émission? Vous êtes déjà en direct, allez-y. Messieurs, si pour certains, lorsque les Panthères du Gabon perdent un match amical ou officiel, certains disent, je m'en fous, certains s'en moquent. Pour d'autres comme moi, eh bien, c'est un deuil national. Si jusqu'à un passé récent, tout Gabonais était capable à chaque match de l'équipe nationale de vous donner à peu près le classement de l'équipe qu'on verra, à savoir gardien de but à mon homme, défenseur à Pinangoy et Kolimanga au centre, sur les côtés, Johan Odion et Paloun,
milieu Lemina, Boko et Ndong, attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, Openza et Alivina. Eh bien, si cela était possible, disais-je, à une époque, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Sur les 11 titulaires que j'ai cités tout à l'heure, je n'ai vu qu'un seul lors du match amical joué contre le Sénégal. Le score de ce match me fait mal au cœur. 0-3. De surcroît, au sein de cette équipe, triste constat, on compte près de 99,99% de jeunes inexpérimentés qui n'ont jamais joué en équipe nationale. Que fait-on pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on fait de l'avenir? Des échéances à venir, notamment les éliminatoires de la prochaine CAN et de la prochaine Coupe du Monde. Et j'aimerais m'adresser personnellement maintenant à M. le Président de la République. Je vous en parle, M. le Président, parce que au Gabon, en ce moment, vous êtes M. le coq de la basse-cour. Appelez tout le monde autour d'une même table, indiscipliné ou pas, échangeons, discutons. Nous sommes-nous pas, n'est-ce pas, à l'heure de du dialogue et de la restauration. Pour Mouyoma Lokoch, c'est vrai, il faut penser à l'avenir. Mais quand on pense trop à l'avenir, on ne voit plus le présent hein, tel qu'il est. Merci. Il y a quand même quelque chose que j'aimerais quand même souligner. Hein. Bon, vous avez parlé de 99,99 nouveaux joueurs. Bah, il n'y avait qu'un seul nouveau joueur qui n'avait jamais porté la tunique du Gabon. C'est Stan Essono, le latéral droit. Voilà, mais qui a quand même su tenir la dragée haute. Mais le reste des joueurs avaient au moins deux sélections. Donc, le gardien déjà a joué les éliminatoires, les matchs 1 et 2. Donc, première et deuxième journée face au Kenya et au Burundi. On a également Mboula également qui a été appelé aussi. Donc, c'est aussi sa première sélection, mais en amical seulement. Et le reste des joueurs, Melvin Mitege, Luffy Lundela, ou encore Orfembina, voilà, Orfembina par exemple, c'est sa toute première convocation d'équipe nationale. Donc on avait Stan Essono, Orfembina, voici deux joueurs qui débutaient avec les Panthères, le reste, ils ont l'habitude. Voilà, Pierre Idiot. Ah oui, on était en train déjà de faire l'analyse de tout ce qui se dit. L'équipe qui a presté face au Sénégal, pour certains, c'était les découvertes, parce que ce ne sont pas forcément tous les matchs que tout le monde regarde. Le plus souvent, ce sont les compétitions, les matchs de la compétition officielle. Oui, c'est Monsieur Bois d'Hiver qui revient. Allô ? C'est Monsieur Bois d'Hiver qui revient. Oui, le Bois d'Hiver, on vous écoute. À quel moment on peut tester des joueurs ? On n'a pas les championnats. Mais les matchs amicaux. On va tester et voir. C'est que laissez le coach Mouyouma travailler, vous allez voir ce qu'il va faire. Moi, je sais seulement ce que je demande. On le laisse travailler, il va faire. Échouer, est-ce qu'échouer, c'est mauvais? On peut jouer, mais demain, on reste mieux. Ils ont fait nul. Demain, si on joue ailleurs, ils vont gagner. Merci. Voilà. Un autre auditeur, allô? Oui, allô? Oui? C'est M. Patrick qui revient. Oui, M. Patrick. Mon petit frère latéral qui a Stan, il a un nom, Stan. Stan Essono. Très bien. Alors, vous avez vu le match qu'il a fait? Est-ce qu'il a été mauvais? Est-ce que vous avez vu les notes? Est-ce que vous avez vu les notes des Panthères après le match? Est-ce que vous avez vu les notes? Mm-hmm. Les notes des Panthères étaient très proches de celles des Sénégalais. Mm-hmm. Les deux Sénégalais qui avaient les meilleures notes, Michael Gamba, oui, Mané, parce qu'il a marqué un but, et l'autre... Michael Gamba Faye, oui. Merci. Après, et qui donne les notes? Qui note les joueurs? C'est pas la Fédération Gabonaise de football? C'est pas la population gabonaise? C'est non pas la population sénégalaise? Ce sont des observateurs internationaux qui notent les joueurs. Donc, ce sont des votes que ni le Gabon, ni le Sénégal ne peuvent maîtriser. Mais quand on voit les notes du match, les notes des joueurs des Panthères, je me répète, étaient très proches de celles des joueurs sénégalais. Je suis d'accord avec mon frère qui vient de partir. Il faut que, à l'heure de la réconciliation nationale, que même dans l'équipe, de football, que l'on amène cet élan-là.
on comprend qu'on a besoin d'un véritable attaquant. Mmh. On a besoin d'un neuf. Qu'on fasse tout pour une réconciliation véritable entre Pierre-Emerick Aubameyang et le peuple gabonais. Pas l'équipe nationale seulement, et le peuple gabonais. Pareil pour Didier Ibrahim Dom, même si on pensait qu'il a pris une retraite internationale, on va dire anticipée. Ah oui. Mais il est important de comprendre la vision du coach Mouyouma. C'est une équipe qui est en reconstruction. C'est-à-dire, on va passer par... je ne sais pas, je cherche l'expression donc appropriée, c'est-à-dire, on va connaître tous les sentiments, les plus sucrés, au plus amer, durant cette phase de transition. Parce que c'est de la même façon que le pays traverse une phase de transition, c'est la même chose pour l'équipe nationale. On est en train de rebâtir une équipe et on se dit, il faut qu'on ait dorénavant une équipe compétitive, basée sur un championnat compétitif. Alors c'est une équipe, c'est une étape de transition. Nous ne sommes pas les seuls. Le Sénégal est passé par là. Est-ce que vous vous souvenez de ce Sénégal-là, dans les années 2005-2008? Qui se souvient de ce Sénégal-là? Est-ce que vous vous souvenez du Maroc? Est-ce que vous vous rappelez de comment est-ce que il fut un temps où les Panthères frappaient le Maroc tout le temps 3-0, 2-0, que ce soit ici comme à Rabat? Mais regardez ce Maroc-là aujourd'hui. Toutes les équipes passent par là. Il y a une phase de transition, mais le plus important dans une phase de transition, c'est d'avoir une vision claire que tous les dirigeants, tous les responsables du football gabonais aient une vision unanime. D'accord. Pour que l'on sache, on veut aller à tel niveau et pour cela, on passera par ça, ça, ça et ça. D'accord. Voilà. On a bien compris. Un autre auditeur aussi veut s'exprimer. Allô? Allô? Oui? Oui, c'est parti le taquement qui revient. Moi, selon moi, on ne peut pas rester là à s'attarder pour dire qu'on doit demander des excuses au Aubameyang ou bien qu'on doit aller lui parler. C'est pas le seul Gabonais. Il n'a qu'à rester à Marseille, jouer pour Marseille. C'est pas le seul Gabonais. Avant lui, après lui, il y aurait d'autres Gabonais qui vont jouer à l'équipe nationale. Donc, je trouve que les Ibrahim Doum, les Poko, avec tout le reste, selon moi, non, ils doivent d'abord rester à côté. On joue avec ceux qui sont là. À chaque fois, ils vont faire leurs choses. Vous dites qu'ils vont revenir à l'équipe. Quand on doit les supplier, c'est pas sincère. C'est pas sérieux. On avance, c'est la transition. Ils n'ont qu'à partir. D'autres Gabonais vont venir jouer. Mais l'handicap, c'est où? Parce que nous n'avons plus de championnat. On se rappelle en 2012 qu'on avait joué la CAN 2012 avec Charlie Moussonneau, qui était à Missy, Edmond Mollet, avec les autres, les Stéphane Guéma qui était à l'UFL. L'équipe a fonctionné à merveille. Donc, bon, mais on a qu'à rester à Marseille. Selon moi, quoi. D'accord. Voilà, ça c'est selon vous. 066 21 91 16, oui, Pierre Idiot. Oui, vraiment, il y a de la passion dans tout ce qui se dit. Trop de passion. Mais on peut comprendre que le peuple gabonais aime bien son équipe nationale. Voilà, on va prendre cet auditeur qui est en ligne, qui veut réagir aussi. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis bien en direct. Vous êtes déjà en direct, on vous écoute. Allô? Allô? Oui, Je voulais partager aussi mon avis. D'accord. Oui, la question posée en priorité était celle de savoir pourquoi les Panthères ne gagnent plus, n'est-ce pas? Oui, bon. Officiellement, je tiens à rappeler que les Panthères sortent de deux sorties officielles avec 6 points à la clé, n'est-ce pas? Oui, oui. En effet, il est de bonne guerre. Il est de bonne guerre, comme disait le précédent auditeur de Tester du Beau Monde. Vous constaterez, tout comme moi, que malheureusement, le réservoir semble plus ou moins, comment je vais préciser ça, le réservoir ne semble pas assez conséquent pour prétendre à la retraite des garçons comme Diendon ou à se passer des services des garçons comme Pierre-Emerick Aubameyang ou encore des garçons comme Gaylor Kanga. Mais il est à féliciter également que je préfère, comme le disait le sélectionneur de Bruno autrefois, du temps du stade Mandji, il est préférable d'aller perdre avec des gars sérieux qui ont à cœur de vouloir progresser
que d'amener une bande de désordonnés qui viennent courir la sélection. Vous convenez avec moi, n'est-ce pas? Moi, oui. Allô? Oui, oui. Oui. Donc, du coup, je pense qu'il faut laisser le temps au temps, parce que pour parler de Thierry, Thierry Mouyouma, j'ai un souvenir que dans les années 2014-2015, lorsqu'il avait pris le canon 105, on peut vous dire que c'était le meilleur football sur le plan national, avec un jeu redoublé de passes en triangle et consort. Le temps est court, le temps est court, parce qu'avec des résultats comme ça et des plaintes qui n'en finissent plus, il va être difficile de se poser la question de savoir si c'est vraiment l'homme de la solution. Donc pour avoir apprécié ce monsieur, apprécié le travail de ce monsieur en club, je peux d'ores et déjà dire que il faut lui laisser faire son travail. Il sait ce qu'il fait. C'est un garçon orgueilleux. C'est un homme qui a à cœur de laisser son empreinte. Je crois qu'on fait 3-0 contre le Sénégal. On a pu regarder. C'était compliqué. Compliqué sur tous les plans. Il nous manque des garçons. Il nous manque des garçons naturellement mieux terrain pour pouvoir répondre présent au combat. Je pense comme ça à Diogo Poco. Je pense comme ça à des garçons comme des garçons comme Kanga Taylor, et j'en passe. Donc je crois que pour le match contre la Côte d'Ivoire en juin, on a pu déjà apprécier là sur le coup. On a pu appeler, je crois, le jeune qui a fait son apparition contre le Congo hier, Neymar. Bayano. Avec les absents, mm-hmm. je crois qu'on peut déjà se dire que c'est en perdant, c'est dans la défaite, c'est dans l'échec qu'on apprend en même temps. Donc on va pas être méchant, c'est des matchs amicaux. Comme vous l'avez signé tout à l'heure, pourquoi aller chercher des gamins pour venir les aligner contre une équipe contre le Sénégal? Je vais bien parler de l'histoire. Je me souviens en 97, si mes souvenirs sont bons, 99, lors d'une super coupe d'Afrique. On a bien vu l'académie de Jean-Marc Guillou, même si le contexte n'est pas le même, venir ridiculiser l'espérance de Tunis en finale de la Super Coupe. Donc là n'est pas la question. Le problème est de savoir si le timing est bon D'accord. pour procéder à de tels exercices, quoi, des décès. D'accord. Ça, c'était pour le premier point. Pour le deuxième point, celui... Très rapidement. Pardon ? Oui, pour le deuxième point, celui de Daniel Cousin. Vous conviendrez avec moi que, sauf si je me trompe, hein, ce n'est pas Thierry Mouyouma qui compose son staff technique. Parce que je pense qu'un directeur manager est au-dessus d'un sélectionneur. Donc le problème de Daniel Cousin, il est simplement pécunier. C'est un problème de prime qui s'élève à plus de 300 millions. Donc je crois que c'est la raison pour laquelle il a simplement été mis de côté, hein, je suppose. Donc voilà un peu ma modeste contribution. Et je souhaiterais très rapidement, si vous me le permettez, demander à l'ensemble, hein, oui, des autres Gabonais d'arrêter d'être aussi exigeant, mais de laisser au sélectionneur le temps de faire son travail et d'admirer, de chercher ce qu'il y a de positif dans la défaite. Par exemple, je vais vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous avez trouvé de positif dans cette défaite, voyez-vous. Donc laissons le temps au temps, et puis il y a le match de juin, on a deux victoires, il y a le match de juin. Maintenant, s'il faut tirer des conclusions, c'est après ce match-là. Mais je dois souvenir que cette équipe nationale se porte toujours à merveille lorsqu'elle est lâchée par sa nation. Souvenez-vous que nous sommes allés faire un très bon résultat à Abidjan il n'y a pas très longtemps, avec un bombasso de Mario Lemina à plus de 30 mètres, hein, alors qu'on nous annonçait battu d'avance. D'accord. On avait fait un 2-1 là-bas au Félicia, je crois. D'accord. Donc, laissons le temps au temps. Et je suis convaincu que nous allons faire une très bonne prestation. Contre la Côte d'Ivoire en juin, naturellement avec la contribution de toutes les forces vives de la nation. J'entends par là le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang et d'accord. L'équipe, quoi, d'accord. Sur ce, merci et bon après-midi. Hein. Merci okay. de m'avoir permis de donner ma modeste contribution. Ok, merci à vous également. Passez un excellent après-midi. On a un autre auditeur, ils sont nombreux à vouloir réagir. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Ouais, c'est le gars des médias. On vous écoute. Ouais, bah, j'ai besoin de vos services là. Voyons, oui, on vous écoute. Vous faites comment pour se déplacer? Parce qu'on a un peu qu'on va faire là pour un reportage. Comment se passe? Bah, rappelez-nous justement à la fin, s'il vous plaît. Hein?
Rappelez-nous à la fin de l'émission. Rappelez-nous à la fin de l'émission. À la fin de l'émission, hein? Oui, rappelez-nous à la fin, s'il vous plaît. Dites-moi à quelle heure? À 16h pile. À 16h pile, vous nous appelez. Vous nous rappelez. À 16h pile. D'accord, oui. Ok. Voilà. Allez, un autre auditeur est en ligne. Allô? Oui, bonsoir, John. Bonsoir. Parlez un peu plus fort. Oui, je disais que j'étais parce que 15 fois, les gars, ils ne voulaient pas me prendre. Bah, il y a tellement d'appels aujourd'hui. Voilà. Je voulais réagir à Daniel, mais là, comment ça s'appelle celui qui a dit que c'est normal que le Sénégal ne batte parce que c'est la meilleure équipe. Mmh. Voilà. J'ai appelé après. Vous pouvez parler un peu plus fort, Seth, s'il vous plaît. Oui, je disais celui qui a dit, parle du Sénégal. Voilà.